jeudi 14 juillet 2011, Val d'Inclès. Bon, on va essayer d'aller faire un petit tour. Maintenant, un temps bien gris. On va essayer d'aller jusqu'aux étangs de Jucar. Il pleuviote à moitié, mais enfin. Voilà, 10 minutes de montée et la bifurcation entre Jucar et Ciscaro. Aujourd'hui, je vais faire Jucar. C'est par la bande, vers le brouillard. Voilà, une petite demi-heure de montée. Pour l'instant, j'avance dans une petite gorge. Bon, ben, le temps se maintient. Le soleil essaye même de percer juste là. On verra s'il arrive. Le refuge de Jucar. Je suis presque. Ça part bien du tout, c'est vrai, parce que je fais les choses à pied. Voilà, je suis à la Colada de Jucar qui est là. Mais malheureusement, on verra pas grand chose. Normalement là-bas, en bas, il y a les étangs de Jucar, en demi. C'est super beau quand il y a du soleil. Voilà. Et puis de l'autre côté, alors là c'est la France. Pas de jaloux au niveau brouillard. Pas la peine de gâcher de, c'est pas de la pellicule, mais des autres têtes pour tout ça, c'est dommage. Il y a que l'issue où on aperçoit vraiment un petit peu le lac, malheureusement. Et là, je suis pratiquement revenu au refuge. Ah, je vais aller casser la croûte là-bas, là. Je suis attendu. Je vais me faire dévorer par des moutons. C'est ici que j'ai eu l'accident d'hélicoptère à Bordeaux. Il s'est accroché, il a accroché sa charge dans l'arbre. Il y a quelqu'un qui est en train de... Je ne sais pas ce qu'il fait.
un petit coup qui ne laisse pas en redescendant pendant qu'il y a un semblant de soleil.